Je saisis le fourreau. Ah ouais. Allez, voilà. Ok. Elle va reculer la jambe. Hop. Et je l'ai mis en déséquilibre. Voilà. Et sous-couché aussi. Allez. Après, découlez. Attrapez le poignet. Voilà. Yazoo. Et je vais en diagonale. Dans la regardant. Et là, voilà. Et à droite. Et là, oh, je suis allé à l'époque. Par contre, regardez bien. Au moment qu'elle recule, je décale un peu. Et je ne décale pas complètement. Si je décale complètement, je ne peux pas attaquer. Là, je suis là. Là, ici, je frappe. Après, je lève. Je prends le poignet, les doigts. Je pousse à l'intérieur. Maintenant, je fais un soumiachi. Et là, je contrôle. Et elle abandonne. Hop, par contre, je prends ma distance. J'ai rien fait. Là, mon l'air. Et là, là, il a battu. Hop, poignée en dessous. Regardez, et là, et on frappe toujours sur soi. Yes. Après, elle retourne là-bas. Là, le coup, il doit être en diagonale. Et là, je vais faire le coup. Voilà. Bien, et là. 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 Là, et la lame, elle est là du côté, hein. Elle est de son côté, hein. Et après, je prends les autres mains. Hop. Et après, je mets à l'extérieur. Pas du côté de la lame. Mais j'attends qu'elle abandonne. Attends, je... Et après, pour redonner, et comme ça, hein. On tourne. Voilà. Je ne mets pas mes mains sur la lame. Maintenant, elle a ce que je prends naturellement. Et on revenez un peu. Et tout à l'intérieur. Et la lame a mis les verres. Je comprends avec le genou pour éviter qu'elle tourne. Après, hop, je touche à l'avant et à l'intérieur. Maintenant, je tourne. Lame vers moi. J'ai fini avec le couteau. Ok, il est à l'intérieur. Droite. Je vais dans la diagonale. Hein. Hop, je descends. Je pose mon couteau. Et je prends pareil le bâton. Et je tourne. Ok. Donc, recule droite. On avance tous les deux. Tout près. Là, je vais reculer. Pour frapper. Comme ça. Pas dans le reculer. Et pour frapper. Et pour armer. Moi, j'avance la jambe à l'extérieur. Et chaud. Et l'autre main aussi. Et deux mains en même temps. C'est moi qui la désigné. Maintenant, je vais coiffer. Et je ramène. Et là, je peux faire une course. Oui, je ne pousse pas. Hein. Hey, hop. Et je ramène. Hop. Et là, je saute. J'arrive. Là. Et comment je fais? Là, je vais avancer la droite. Hey! Voilà. Armé. Là, frappé. Hey! Hey! Il y a deux ATMI en fait. Yes! Hey! Hey! Oh. Hey! Comme l'attaque gauche du même côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va en avançant. Je pense plus lent. Bâton vers le bord. La main croisée. Croisée. Avant cette jambe. Cette jambe. Et tourner. Voilà la clé. Et le bâton, comment il est? Et là, je vais avancer pour faire chuter. Et là, à l'intérieur, on avance. On tourne le poignet. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, comme ça, regarde, voilà, et tournez. Maintenant, je réavance le même. Après, quand je vais avancer mon bâton, je vais descendre de l'autre sens. Et là, au départ, il est comme ça. On va la faire chuter, je vais pousser. Ce qui fait que je m'y libère le bras et la chuter. Parce que la chute d'elle-même. Et là, après, j'étais comme ça. Et après, je lui redonne ce bâton. Et on va me découper. Et elle met le pistolet à l'intérieur. Et... Et on avance tous les deux. Chaque petit pas, on les mains. Voilà. On les mains. Les voir au milieu. Elle vient toucher ma poche. Elle me regarde. Quand elle va baisser les yeux, là. Et les épaules. Pas ça. Pas. Hein? En même temps que mon bras va descendre, mon corps est tourné. Là, je pousse. Je pousse au-dessus. La main au poignet. Tirez. 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 Laissez là. Là, je pousse. Je pousse au-dessus. La main au poignet. Tirez. 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 Laissez là. La suivante, je redonne son arme dans le sens où elle remet. Alors, même si c'est pour le là-bas, derrière, là c'est différent. Ah non! Maintenant, elle regarde. Et tournez. Et tournez. Quatre doigts au-dessus. L'autre main en dessous. Pousse au-dessus. Tirez. Recule. Bien. On va appuyer ça, le milieu. Et qu'elle se porte. Là. Niveau sur la jambe droite. 182.